participer au travail? Qu'est-ce que je peux faire? Quel genre d'aide vous avez besoin? Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Ok. Je me ferai un plaisir de vous aider. Parfait. Merci bien. Pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque chose. Allez, construisez des lits pour les habitants de Sanctuary. D'accord. Ah, cet établi-là. Ah, ça doit être le tuto établi, en fait. Les colons ont besoin d'eau, de nourriture, d'un peu de confort et de protection. Veillez à satisfaire ses besoins élémentaires pour faire... Ah, mais en fait, j'ai l'impression que tout ça, c'est une espèce d'immense tuto pour que toi, tu puisses te créer plus tard ta propre baraque. J'ai l'impression, hein. Après, je peux peut-être me tromper. Il faut quoi? De l'acier. Ah, il me faut du tissu, j'en ai pas. Quand on est tombé sur cet écorcheur à Concorde, j'ai bien cru qu'on allait y rester. Vous aviez déjà vu une de ces bestioles avant, Mama? Bien sûr, des tas. Un jour. Ah putain, chaud, tu peux réappuyer. Tu peux réappuyer dessus à distance. Sans armure assistée, ni mitrailleuse. Juste avec un pistolet. Bon, alors me prenez pas pour un connard, hein, mais... Vous voulez dire que vous avez tué... Il me manque de la matière première, donc... Une seule balle, et je dois vous croire. C'est... Quoique, je peux peut-être en avoir maintenant, tu me diras, attends. Je peux pas examiner des... Ateliers... Ça, c'est tout ce qu'il y a dans l'atelier de base... Y a pas de quoi gagner du tissu là. Non, y a rien. Bon, désolé, hein, mais j'ai absolument rien pour vous aider. Bon, va falloir attendre, hein, désolé. j'ai rien du tout. Apporte du jet. Bon. J'étais un as de la gâchette. Ça, ou vous avez une sacrée imagination. Maman Murphy. La vision ne vaut rien sans drogue. Vous avez le jet? Bon, bah, aidons la à se shooter. Tenez, une dose de jet. Merci. Et maintenant, laissez-moi décoller aussi haut que la vision voudra bien m'emmener. Je me sens mal à faire ça. Putain, mais je gagne des PE. Mais elles sont verrouillées. Vous demandez aux gens ce qu'ils savent, mais leur cœur est enchaîné par la haine et les soupçons. Mais vous finissez par le trouver, ce cœur qui vous conduira à votre fin. Oh, comme il brille. On ne voit que lui dans les ruelles sombres qu'il arpente. Voilà. Voilà ce que vous devez faire. Suivez les signes menant au cœur brillant. Oh là, ça m'a fait plus d'effet que d'habitude. Je vais devoir me reposer un peu. Oh là là. Bon. Elle m'a pas apporté des vraies réponses, j'ai l'impression, mais... Parler aux habitants, Ten Pines Bluff. Bon. Bon, par où on va maintenant? Musée de la Liberté. Ten Pines Bluff, station satellite. Et ferme! Diamond City, c'est où? Alors attends, comment on peut faire pour... Ah voilà. L'abri. Attends, on va regarder un peu les quêtes qu'on peut se faire. Bon, on va aller par là au pire. Salut. Salut. Hey. Bon, rien à me dire? Ok. C'est quoi ça? C'est une quête secondaire là, ce carré?
faut que j'aille loin. Est-ce que je vais tout de suite prendre ma revanche à la station satellite Olivia de Lussaf? Je me demande. Je suis encore inexpérimenté. En fait, la meilleure des choses à faire, ce serait d'aller à Diamond City tout de suite. Le problème, c'est que c'est où? Ouais, ben... putain de merde! Oh, c'est à l'autre bout du monde, ça va, tu sais. Putain, les mecs, ils sont partis loin. Autant dans Fallout 3, on faisait croire des trucs, tu sais, genre... genre, ouais, faut aller à Mégatonne. Ah, en fait, non, faut aller là-bas, faut aller là-bas, faut aller là-bas. Ah, putain. Mais ça allait, quoi. Ah, bordel. Y'a un truc à... faut que j'aille voir. Y'a un truc à la station, il faut que j'aille voir. Pourquoi m'indique-t-on la station Red Rocket? Que se passe-t-il là-bas? Y'a encore des fleurs. Bah y'a rien, pourquoi il m'indique ça? Tiens, je vais construire un lit ici, ouais. Est-ce que j'ai des... j'ai peut-être plus de choses en matière première ici. Attends, fabriquer. Ah non, attends. Quitter. Ça c'est pour... ça c'est pour les armes. Moi je voudrais... ah voilà, c'est celui-là moi qui me faut. Donc ça se trouve, oui, j'ai même pas de quoi... oh, mais si, regarde-moi tout ce que j'ai. On va se faire un lit tout pérave. Attends, comment on fait pour... nécessite... va falloir qu'on m'explique. Donc je l'ai pas fabriqué le lit encore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est, par contre ce qui est bizarre c'est que ouais, chaque atelier garde ce que tu lui as mis dedans. C'est bien et en même temps c'est nul. Ça devrait être un truc illimité et puis dans lequel tu puisses mettre que ça se connecte un peu de partout quoi, ce que je veux dire. Donc là, je peux pas... pourquoi je peux pas? J'en ai largement assez. Nécessite... ah, nécessite un colon. D'accord. Mais je m'en fous. Ah, c'est bizarre. Bon. Ah bon, on va se barrer ailleurs. Hein. Écoutez... eh ben je pense que on va aller explorer en direction de, bah de ça. Hein. On va aller dans cette direction. Allons vers l'est, mon ami. Ah oui, non, d'abord on avait dit qu'on explorait cette putain de ville. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien explorons, explorons, explorons. Je me demande d'ailleurs ce qu'on peut trouver. Quelque chose me dit que ça sent les ennuis, cette ville. C'est bizarre quand même, une grosse ville, bien déserte. Ça ne sent absolument pas le piège. Putain, une moto. Ah, dommage, elle fonctionne pas. Le jour où dans Fallout, tu pourras conduire des motos ou des bagnoles. Sans mode. Putain. J'ai pas l'impression qu'on puisse visiter grand chose. Putain, les voitures, quoi. Il doit bien avoir des baraques ouvertes ici. Merde, quoi. Il faudrait que je trouve... il faudrait que je trouve le supermarché du coin. Pour trouver des provisions.
Il doit bien y avoir un truc à faire, attends. Une grosse ville comme ça, il n'y a rien à faire dedans. Oh. Centre civique de Concorde. Écoute, je vais voir où est-ce que ça mène. Hein. Je me souviendrai toujours cette quête secondaire trouvée par pur hasard en perdant dans une ville. Je savais même pas comment j'avais atterri là. Je suis allé dans la station de métro, j'ai exploré pendant je sais pas combien de temps et... Oh tiens ! Une quête secondaire ! Voilà, grâce au Pip-Boy... Putain, la lumière verte, quoi. Des chips ! Putain, si c'est des Pringles, je prends. Pringles, goût épicé. Ah oui putain, j'ai oublié que ça c'est les coups. Merde. What the fuck is that? Ow! Aïe! Merde. Ok, ok. Alors... Un problème, Capitaine Krabs? T'inquiète pas, mon chien. Il ne te fera rien. Je vais achever cette merde! Putain, mais regarde les points de vie! T'inquiète pas, mon chien, il ne touchera pas! Il te touchera pas! Putain, là, il y a le machin, il est déjà en train de se nourrir de ton chien, il lui a arraché une patte, il est en train de la croquer. T'es là. Je crois que j'ai encore un niveau de merde. Je m'en fous, je récupère mon paquet de chips. Ça, c'est le truc souvent qui me gaffe dans les Fallout, c'est que t'as jamais de balles, t'as jamais rien. Moi, j'ai. Regarde ça. J'ai combien là pour tuer ce connard là? Wow, 18 balles! C'est énorme! Ah, là on parle! Bien, où est-ce qu'il est l'enculé? Là on parle. Il va arriver par là, j'imagine. Aïe. Ah mais putain, il m'a fait tomber où? Oh quel imbécile. Pas d'épingle à cheveux. Putain, c'est vrai qu'il me faut des épingles à cheveux aussi. Oh là là, mais il me manque tout. Mon chien est en train de se faire dévorer. Je vais te sauver, toutou. Où est cette créature? Très bien. Alors, tu fais ta prière, tu te chies dessus. What the... Je viens de me téléporter, littéralement. Poussez-vous de mon chemin. Putain, je suis armé. D'un chien. Merde. Alors attends. Attends. Il me faut. Inventaire. Soin. C'était quoi ça? On s'en fout. Ça devrait être assez pour récupérer ma vie. Hey. Voilà, tu meurs plus. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais voilà, je l'ai fait. Bien joué. C'est bien, j'ai même plus besoin de me taper les rats de cafard.
Je ne remonte pas tout de suite à la surface. D'abord, je veux vérifier ce qu'il y a en dessous. Donc, outre un monstre absolument horrible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Manta. Viseur lumineux. Je prends la canette. Je prends tout ça. La pâtée pour chien. Oh, bien. Tu sais, le gros bâtard, j'allais dire, je vais pouvoir en manger. Oh, la... Oh. Là, vous me faites plaisir, là, les mecs. Là, vous me faites grave plaisir. À la place du démonte-pneu, je crois que nous allons nous mettre un petit coup de machette. Bon, oui, c'est bien mieux. Alors, attends. Non, je veux pas le tableau d'aptitude, moi, je veux le... Ah, R. Voilà. Je veux la machette. Machette. J'ai même gagné un appareil photo, tu vois. Alors. Oh. Pauvre homme. Oh, c'était un pillard, donc on s'en fout. Du jet. Tu voulais la vision? C'est le mec. Oh, ouais, c'est ça, ouais, la vision. Comment? Alors, je dois pouvoir monter là-haut. Allez, allez. Ouais, j'ai réussi à choper un truc. Putain de bordel! Tu vas monter! Tant pis. Il est mort en essayant de choper ce trésor. Alors là, c'est là d'où je suis arrivé. Ça veut dire que si nous allons par là, nous explorons de nouvelles choses. Oh merde, c'est quoi ça? Tératope! Ah, mais je suis complètement coincé là. Ah! Alors, qu'est-ce que t'en dis de ma machette, hein? Pas mal. Bon, c'est tout. Tu sais, c'est du genre, tu crois boire de l'eau, puis après tu recraches, tu sais, un truc noir. Je crois que mon chien est dans le mur. Canigou a disparu dans le mur. Le jeu l'a avalé. Ah, évidemment, nous, on peut pas y aller. Seuls les ratopes peuvent creuser ces petits tunnels. Ah, Canigou, tu es là, j'ai cru que le jeu t'avait avalé. Ah, tu sais, la dimension Bethesda, c'est quelque chose. Municipal plutonium, well. Oh, t'es mort, toi? Ouais! J'ai pas envie d'en croiser beaucoup, en fait, vu les dégâts que ça fait, mais... Pas ce que je suis. C'est le truc que j'aime bien dans Fallout. T'ouvres une trappe et voilà. Une aventure merveilleuse t'attend. J'ai cru qu'il y avait un râteau, mais perdu. Commonwealth. Non, non, c'est trop facile. Trop facile si je m'en vais maintenant au meilleur moment. Il y a un râteau dans le coin, mais alors va savoir pourquoi est-ce qu'il vient pas me voir. Un scalpel. Mais j'ai toujours pas d'épingle à cheveux, moi. Il essaie de me faire flipper, en fait. Ça ne marche pas, désolé. Il faudra faire beaucoup mieux que ça. Quelque chose me dit que je vais crever. Sauvegarder. Quelque chose me dit que je vais bien crever. Hop. Sur une save classique, voilà. Plus d'épingle à cheveux. Oh putain. Ça devient relou ça.
J'ai gagné une boîte à sandwich. De la térébenthine. Bien, bien, bien. Vivement que j'ai ces épingles à cheveux. Je crois, mon chien, qu'il n'y a plus rien dans ce coin. J'aime pas ça, mais alors pas du tout. Crois-moi que là, je ne suis pas rassuré. Hein. C'est pas de là d'où je viens, ça ? Tout se ressemble tellement. Il va y avoir un putain de monstre, hein, je sais pas. Oh là là. Là. Ah non, regarde, c'est là d'où je viens. C'est bon. Et nous sommes sauvés ! Ah, attends, mais c'est bizarre. Il y a un monstre quelque part. Bon. Putain. What? Putain, mais il y a des choses bizarres dans ces égouts. Tout, je retombe à chaque fois sur mes pas et... C'est quoi ces bruits? C'est quoi ces bruits sans déconner? Y'a quoi dans ces égouts si dangereux? On peut pas passer par là. On peut boire de l'eau. Ah, mais c'est vous qui faites ce... Voilà, putain de rataupe là, arrête de me faire flipper. Alors du coup, j'ai l'impression qu'en fait, j'aurais tout exploré. Je crois que j'ai tout exploré, hein. Allez, Canigou, on peut s'en aller. J'ai cru qu'il y avait un autre truc qui me faisait flipper, mais... Alors, on peut éteindre la lumière. Et se barrer. Et on est presque niveau 5. Putain, ça va vite. Je sais pas combien il y a de niveaux en tout. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Enfin, je sais pas. Il y a toujours eu 20 niveaux, je crois, à peu près.